Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aime énormément. Ce sont les 4 niveaux d'apprentissage pour parler anglais rapidement, facilement et surtout en respectant vos mécanismes naturels d'apprentissage. Vous allez voir pourquoi vous bloquez en anglais, pourquoi certains abandonnent, pourquoi certains arrivent à passer cette impression de ne jamais progresser, de stagner. Ceux qui se disent c'est trop dur pour moi, j'y arriverai jamais. Vous allez voir que avec ces 4 niveaux d'apprentissage, vous allez pouvoir passer cette phase facilement et que c'est possible pour tout le monde de parler anglais et en plus en 6 mois, c'est totalement possible. Avant de parler de ces 4 niveaux d'apprentissage, eh bien, annonce officielle aujourd'hui, j'ai bugué là, annonce officielle aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes officiellement depuis aujourd'hui pour la One Week, notre événement unique en France qui allie coaching d'anglais et développement personnel. Ça va être une fête de dingue. On aurait pu l'appeler la Marafest en fait. Où on va accueillir des experts dans des domaines de dev perso. On va allier l'apprentissage, la mémorisation. On va vous faire pratiquer. Bref, ça va être une grosse fête. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, on vous met les liens juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir le faire. On a hâte de vous retrouver en live. Et donc, c'est parti directement pour le sujet du jour. Donc, les 4 niveaux d'apprentissage, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. De toute façon, tout ce que je vous partage, c'est à chaque fois, je me dis, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Bref, c'est quelque chose qu'on devrait savoir à chaque fois qu'on apprend quelque chose, donc tous les jours en fait, avant de maîtriser une compétence, parler anglais par exemple, eh bien on va passer par 4 phases, par différents niveaux de conscience de soi, et c'est souvent cette conscience de soi qui nous met des bâtons dans les roues, qui fait que nous n'avançons pas et qu'on abandonne. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Martin Broadwell, qui est formateur en gestion en 1969. Et voici les 4 niveaux qu'il nous présente. Le premier, c'est le niveau de l'incompétence inconsciente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'en fait, vu qu'on n'a jamais pratiqué cette activité, cette compétence, eh bien, on ne se rend pas compte qu'on est nul, pour prendre le mot nul si je peux me permettre. Qu'on n'a jamais pratiqué et on a l'impression d'être meilleur que ce qu'on croit. Par exemple, on n'a jamais conduit une voiture, on voit les autres conduire, on voit la facilité avec laquelle ils conduisent, on se dit « oui, ben, c'est pas bien compliqué, ils tournent le volant, ils changent de vitesse, ça va ». Mais le jour où vous commencez, et donc ça c'est la deuxième étape et j'y viens juste après, le jour où vous allez commencer à pratiquer, ça va être une autre histoire. Mais du coup, dans ce secteur de incompétence, dans cette phase d'incompétence inconsciente, il y a également l'effet Dunning-Kruger qui est un biais intellectuel qui pousse en fait les personnes donc incompétentes qui n'ont pas encore appris à surestimer leurs capacités. Et c'est ce qui les empêche de se rendre compte de leurs erreurs pour justement progresser. Ils ont du mal à accepter en fait que quelqu'un vienne leur dire « bah non, tu devrais faire plutôt comme ça, etc. » Voilà, c'est une phase, c'est en gros la phase « je ne sais pas que je ne sais pas ». Ensuite, pour passer à la deuxième étape, donc qui s'appelle l'incompétence consciente, donc là, généralement, c'est là où ça pique un peu. Vous passez dans une phase où vous vous rendez compte, en fait, que, vous n'êtes pas aussi compétent que vous le pensiez. C'est généralement la prise de conscience, c'est le choc, et c'est là où beaucoup de personnes vont abandonner en se disant « ah ouais, mais en fait, c'est pas fait pour moi, moi, je suis nulle, j'arrête ». Alors que non, en fait, quand vous connaissez les 2 prochaines phases par lesquelles tout le monde passe, tout être humain passe, vous n'êtes pas nul, comme je dis tout le temps, personne n'est nul, mais vous êtes débutant si vous pensez que vous êtes nul. C'est juste que vous êtes encore à la deuxième phase. Et donc, maintenant, la troisième phase, c'est la compétence consciente. Et là, ça veut dire qu'en fait, votre compétence, vous êtes conscient que vous commencez à acquérir cette compétence de par la pratique
La répétition, ça me rappelle quelque chose que je vous répète d'ailleurs tout le temps, ça vous permet d'évoluer, de vous améliorer. C'est pas totalement naturel, c'est pas totalement instinctif, c'est pas parfait, mais vous sentez que vous avancez, vous savez que vous mettez en pratique et donc vous voyez des résultats. Et c'est également relatif aux trois, au cycle, à la troisième étape du cycle émotionnel du changement, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, à force de pratiquer, si vous n'abandonnez pas, vous allez arriver à la quatrième phase, qui est la phase de compétence inconsciente, qui est une phase où là, vous êtes totalement compétent dans cette discipline, mais vous n'en avez même plus conscience. C'est-à-dire que vous êtes dans un processus automatique, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez créé de nouveaux chemins neuronaux. Il revient encore celui-ci, notre cerveau. Vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Donc par exemple, avec la conduite, aujourd'hui, vous ne réfléchissez même plus à passer vos vitesses. Vous les passez, tac, 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 hop, vous regardez les oiseaux par la fenêtre, vous mettez le poste de radio. Et en anglais, c'est exactement la même chose. C'est que la première étape, on n'a jamais parlé, on se dit « oui, bah c'est pas compliqué ». Le jour où tu te retrouves face à un natif, ok, ça bloque, j'ai la mémoire, la mâchoire et la mémoire peut-être bloquée, je ne sais pas pourquoi ça sort, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et ensuite, ceux qui mettent en pratique, et bien justement, tout ce que je vous donne dans la conférence parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans, et bien vous arrivez dans la troisième phase. D'ailleurs, pour voir cette conférence, je vous mets le lien juste en dessous, en description, juste ici. Et bien vous commencez à en mettre en pratique tout ça et vous voyez, vous évoluez, c'est pas naturel, c'est pas parfait, mais jusqu'au point où vous allez pratiquer, et bien vous arriverez à la quatrième phase. Et vraiment, ayez ces quatre phases en tête pour n'importe quelle discipline finalement. Ça vous permettra de dédramatiser, de ne pas vous dire que vous êtes nul parce que c'est pas le cas, mais simplement vous dire je ne suis simplement pas encore dans la troisième phase. Donc vraiment, J'avais déjà conscience des différentes phases de l'apprentissage, mais le fait de me les rappeler, de les relire, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai !» Il y a certaines choses sur lesquelles je bloquais, je me dis « Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais tout faire pour passer dans la troisième, puis dans la quatrième phase pour avancer. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager si c'est le cas, à me mettre un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de lire vos petits mots. Et eh bien, on se retrouve pour ceux qui seront inscrits à la One Week, l'événement inédit en France qui allie coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer votre mâchoire, oser parler et savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Ciao !